déforestation est l'un des problèmes majeurs dans le delta intérieur du fleuve Niger. Le projet What If We Change et Wetland International travaillent inlassablement avec d'autres acteurs pour changer cette situation. En attendant les changements, les populations s'adaptent. Pendant la saison sèche, la bouche de vache est substituée au bois de chauffe qui est devenu rare et de plus en plus cher. J'étais curieux de goûter ces riz et cette sauce préparée avec la bouche de vache. Fidèle à l'esprit d'hospitalité malienne, le chef de village m'invita à partager son déjeuner. Voilà pour ce qu'on a. Mon œil. En quoi, nous, monsieur, je vais la colonne. Je suis pour des gens de l'eau. Ah bah, mais ça m'a fait avoir que tout. Ça m'a fait. On veut ta badalaye. Bello, il y a une petite cana à finger et à finir. En bête à vous, que l'engrène en cana au mar. Clément, ne changez pas de l'eau de ta carte. Le bois là, ça coûte cher. Bon, donc, on nous fait comme les pelles aussi, la bouche de vache. Quand les animaux sont de retour, les changements, c'est là. Donc, il s'ajoute aux pelles aussi pour ramasser. À ce moment, ils arrêtent d'acheter le bois pour ramasser. Quand ça coûte. Ça le coûte mieux. Ouais. Peut-être du temps et de l'effort. Ouais, ouais. Mini, les chiens, faut l'embaye. Tout le monde me chiboué. Avec mon canyon. Et bien, avec Yafana. Comme on peut le constater, il y a beaucoup de pertes d'énergie avec les types de foyers utilisés par les femmes. Il serait donc intéressant de réfléchir et voir comment augmenter les rendements énergétiques de la bouche de vache afin d'alléger un peu plus les pressions sur les ressources ligneuses et renforcer les conditions de réussite des activités de restauration des écosystèmes dans le delta intérieur du fleuve Niger.